Bonjour, aujourd'hui je vous présente le point armature de panier double. C'est un point qui est réversible même si les deux côtés ne sont pas identiques. Le côté envers du travail ici, vous voyez, il y a deux côtes verticales alors que du côté en droit, il y en a trois. Alors pour le nombre de mailles, c'est un multiple de 20. On ajoute 2 mailles pour les mailles lisières et ça se fait sur 20 rangs. Pour le rang numéro 1, je vais d'abord faire une maille lisière et la séquence commence par 10 mailles en droit. Les 20 mailles se séparent en deux, finalement le côté vertical et le côté horizontal. Alors pour le côté horizontal, ici j'ai fait 10 mailles en droit. Et pour le côté vertical, les 10 mailles, je fais 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et je termine la séquence avec 2 mailles en droit. Et je continue le rang en répétant la séquence. Moi, je mets des séparateurs là, entre chaque 20 mailles. Maintenant, tous les rangs pairs, on tricote les mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Et les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Pour le rang numéro 3, je fais ma maille lisière. Maintenant, je vais faire 10 mailles envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour le côté vertical, les 10 dernières mailles, la séquence, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et la séquence se termine avec 2 mailles en droit. Et on répète la séquence pour le reste du rang. Pour le rang numéro 5, je fais la maille lisière à l'endroit et la séquence, c'est comme pour le rang numéro 1, 10 mailles en droit, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et la séquence se termine avec les 2 mailles en droit. Pour le rang numéro 7, je fais la maille lisière à l'endroit et la séquence commence par 10 mailles envers, comme le rang numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les 10 suivantes, je fais les 10 mailles pour le vertical, donc 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et 2 mailles en droit qui terminent la séquence. Pour le rang numéro 9, je fais la maille lisière et c'est la même chose que pour le rang 1 et le rang 5. Je fais 10 mailles en droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et pour les mailles verticales, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et la séquence se termine avec les 2 mailles en droit. Pour le rang numéro 11, je fais ici la maille lisière à l'endroit. Maintenant, on va commencer la séquence avec le côté vertical. Donc, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles
en droit, deux mailles envers et deux mailles en droit. Et on termine avec 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le rang numéro 13, la maille lisière à l'endroit, le côté vertical, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, et la séquence se termine avec 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je répète la séquence en commençant par le côté vertical. Le rang numéro 15, c'est comme le rang numéro 11. Je fais la maille lisière et la séquence commence par deux mailles en droit. Je poursuis avec deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit et je continue avec 10 mailles envers, en droit, 10 mailles en droit pour terminer la séquence. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour le rang 17, la maille lisière à l'endroit et je fais la séquence, commence par deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit. Et je termine avec 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour terminer, le rang 19. Je fais ma maille lisière à l'endroit et encore la séquence commence par deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, deux mailles en droit et je termine la séquence avec 10 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, il ne reste seulement qu'à faire le rang de retour et vous avez le résultat ici du point armature de panier double. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!